Oui, alors bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai rencontré sur Patreon, mon nouveau site web, j'ai rencontré Philippe qui va nous parler de l'enrôlement de force en Ukraine. En effet, Philippe est allé deux fois en Ukraine et il a assisté malheureusement à cet enrôlement de force. Voilà. Eh bien, venez tous sur Patreon. Vous allez voir, je peux y distribuer des images, des textes que vous ne pourriez pas voir sur YouTube. À bientôt. Vous m'avez dit sur Patreon, donc, que vous ayez eu des choses à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Dites-moi tout. Eh bien, écoutez, j'ai vu un grand changement, puisque quand j'y suis allé en fin janvier, j'avais vu beaucoup d'hommes qui avaient fui l'Ukraine lorsque je suis reparti et qui arrivaient à passer la frontière avec la corruption. Et lorsque je suis retourné en juillet, c'était plus du tout la même chose. Les gardes de frontière avaient été remplacés par l'armée et tous les hommes qui cherchaient à fuir étaient bloqués et envoyés immédiatement dans un bataillon avec le paquetage que remis immédiatement à la frontière. Ah oui, vraiment, oui. Donc, de Oui. plus en plus. Alors, par exemple, les vidéos qu'on a vues hier soir, c'est la même chose. Ils prennent les gens et ils les envoient direct. À dire qu'il n'y a même pas à réfléchir, ils n'ont pas le choix, c'est directement dans une pièce où on leur remet le paquetage, leur bardage, tout l'uniforme et tout le Et par matériel. l'entraînement d'abord, et puis. Ils sont expédiés, on ne sait pas où. Et alors, vous êtes allé plusieurs fois en Ukraine? Deux fois. Une fois fin janvier. Et la seconde fois, le 14 juillet, j'en suis rentré le 23 janvier. Juillet, pardon. Oui. Et Le la première 14 fois, vous aviez déjà vu ce genre de choses? août. Alors, la première fois, j'avais simplement vu des barrages sur la route où les véhicules étaient stoppés et vous vérifiez les identités des personnes à bord. Et c'est tout ce que j'y avais vu. Et les hommes qui étaient au barrage, ce n'étaient pas des tendres, quoi. Ce n'étaient pas des gens qui souriaient, hein. C'était assez tendu. Mais là, c'était bien plus fort que janvier, une grande, grande différence. Ça n'avait plus rien à voir. Ah oui. Alors vous m'aviez dit que vous aviez vu beaucoup, enfin, une masse assez énorme d'hommes qui attendaient et qui après ont été. Ah oui, le 14 juillet, quand je suis entré en Ukraine, à la frontière, il y avait au moins 200 hommes qui étaient bloqués et qui attendaient leur tour pour passer dans une pièce où on leur remettait leur barda, quoi, hein. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Ils vont directement rejoindre des unités ou alors Alors, c'est ça qui m'inquiétait. Est-ce qu'ils envoient directement en unité ou en entraînement, comme c'était pas très loin de Lviv? oui. Il est possible qu'ils soient envoyés là-bas dans les camps d'entraînement, mais il est clair qu'ils rentraient pas chez eux. Ça, c'est sûr, puisque là, c'était tout de suite bloqué et le paquetage, c'est pas pour rentrer à la maison, c'est sûr. Et alors, il y a des points de passage sur la frontière, peut-être pour C'est ça. C'est-à-dire qu'on circule en serpentin, pas foncé. Et puis chaque véhicule est fouillé, puisque il m'a fallu 8 heures pour passer la frontière, pour rentrer en Ukraine. C'était très long, j'étais en bus, donc le temps qu'il passe le bus au crible, toutes les identités, que les bagages soient fouillés également. Oui, bien Donc sûr. là, ça a pris du temps, quoi. Voilà. Et quand Alors. je suis reparti, il y avait un homme qui essayait de fuir, qui lui a été complètement bloqué. Oui. Et alors, qu'est-ce que vous pensez qui peut se passer maintenant? Parce que l'Ukraine a un besoin d'aide. Alors là, je crains que la situation s'aggrave pour l'Ukraine et qu'ils se mettent à envoyer tout le monde, même les enfants. Ça, c'est la crainte que j'ai. Parce que la personne avec qui je suis là-bas, elle a deux enfants de 14 et 17 ans. Et c'est la grosse crainte. Ah, c'est la crainte qu'elle a, cette personne, de voir Ah ses oui. enfants. Ah, Ouais. complètement, oui. Et alors, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette personne? Est-ce que, mon Alors Dieu, le... elle est toujours pour Zelensky ou alors elle en a marre, elle sait que c'est perdu? Ben, en fait, on a du mal à savoir, j'ai du mal à savoir exactement ce qu'ils pensent parce qu'ils n'osent pas dire dans Oui. la rue, ils n'osent pas dire ce qu'ils pensent. La seule chose, c'est que moi, la personne qui est là-bas, elle est née là-bas, vécue là-bas, n'est jamais sortie de Ternopil ou même d'Ukraine, qu'elle est profondément attachée à sa patrie, ce qui est logique et normal, ça se comprend. Oui,
à fait. Et que de fait, en plus, la situation personnelle des gens là-haut est assez grave. Je vois rien que pour elle, elle travaille 6 jours sur 7 avec deux travails pour pouvoir payer ses factures et subvenir aux besoins. C'est quasiment un travail d'esclavage pour moi. On a du mal à comprendre ça ici en France, mais c'est ça. Et conditions de vie pour les Ukrainiens, qu'est-ce compliqué. Bon, en juillet, quand je suis allé, il y avait des restrictions d'électricité. C'est-à-dire que chaque matin, je recevais un planning avec les horaires où je pouvais avoir l'électricité et les horaires où je pouvais en avoir. Et c'était donc assez compliqué. Il fallait faire en fonction de ça, pour pouvoir rentrer chez soi, pour pouvoir sortir dehors, pour pouvoir manger, se laver, ben, toutes les choses quoi de la vie courante que nous, on se normalise ici, mais que là-bas était géré par un planning. Bon, là, apparemment, c'est revenu, mais pour combien de temps? Alors, Philippe, est-ce que vous avez croisé des milices ou des, par exemple, Azov, est-ce que vous avez croisé ces gens-là? Absolument. Non. Puisque là, c'est carrément le bastion d'Azov. Comme j'ai dit, vous avez des panneaux immenses publicitaires avec leur glorification partout. Hein. Et Bandera, il est plébiscité? Pas complètement. Et vous avez le musée de la ville, tout le dernier étage du musée de la ville qui est dédié à Bandera. Ah oui. Et quand je l'ai visité, il y avait un uniforme SS qui était exposé. Et on me dit, regarde, la qualité des uniformes de l'époque, c'était quand même bien, ils nous donnaient du bon uniforme. C'est pour un Français comme moi, ça fait C'est bizarre quand ça fait très bizarre. Mais alors, les gens qui, enfin, les Ukrainiens qui voient ça, c'est pas un problème. Non, c'est normal. Il y a une statue géante Banderas qui fait le salut nazi dans la ville. C'est normal. Alors, c'est libérateur, c'est, je ne comprends pas. Oui, c'est ça. Il est considéré comme le héros et le libérateur de la nation. Oui. Et ils apprennent ça à l'école. Ils apprennent ça partout. Et de famille en famille, ils se transmettent l'histoire. Est-ce qu'on a parlé de ses excès? Non? Absolument pas. Même de ces hommes, tous les hommes qui étaient autour de Banderas, ils ont leurs photos. Ils ont au niveau de la mairie de la ville, vous avez des panneaux avec des de la glorification Banderas et les photos de tous les hommes qui l'accompagnaient. Ah oui, c'est Et fou. d'ailleurs, vous avez un boulevard Banderas, vous avez des rues avec les noms de ses compagnons, de tout ça, et c'est absolument normal. Alors, quand on voit hier on a vu un anniversaire, enfin, moi je vous ai envoyé un anniversaire troublé par des flics, enfin, des militaires, de la police militaire. Et on voit quand même les gens qui commencent à gueuler, hein. Bah, il y a de ça, moi j'ai pas vu. Parce que j'ai pas vu de rapt comme ça, mais je sais que ça circulait, parce que j'étais à côté dans le centre-ville, vous aviez une caserne où justement ces milices-là y étaient, et j'ai vu les véhicules qui partaient, ces véhicules qu'on voit avec qui mettent les gens dedans. Je les ai vus, mais j'ai pas vu de personne contester. Parce que là, dans la vidéo que j'ai distribuée, il y a des gens qui. Ah, mais ça, je veux bien croire. Et Bon, je suis persuadé que c'est ainsi, hein. Mais hein. j'ai pas eu, comme j'ai pas vu quelqu'un se faire prendre tout de suite devant moi, et j'ai pas vu les gens autour qui pouvaient contester, malheureusement, j'ai pas vu ça. Ouais. Bon, bah, écoutez, Philippe, je vous remercie beaucoup. Ben, je Je vous en prie. vais Je devoir dois y déranger. retourner. Je vais y retourner avant la fin de l'année, donc je vous redirai. À vous y retourner? Bah, Oui, espérons que certainement. ce sera mieux. Oui, parce que en fait, la dernière nuit que j'ai passée là-bas, il y avait les missiles russes qui passaient au-dessus de la ville. C'était assez impressionnant. Ouais. Ouais, en effet. Bon, écoutez, merci beaucoup, Philippe. Je vous en prie, Philippe. Merci. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.